Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE 2K18. Donc où, si vous vous souvenez bien, on devait donc parler soit à Shane McMahon ou Daniel Bryan. Donc comme j'ai dit la dernière fois, je parlerai donc à Shane McMahon parce que j'ai envie de faire la carrière employé dévoué. Parce que c'est pas ce que j'ai fait moi tout seul dans mon coin. Et quand je me suis reconnecté, j'ai regardé qu'on était passé niveau suivant. Genre on s'est déconnecté, je sais plus si je l'avais fait voir, on était à 249 d'influence, il fallait aller à 250. Je me suis reconnecté et là il y avait marqué en message, vous venez de passer le niveau 3 d'employé dévoué. Donc qu'est-ce que c'est ? L'employé niveau 3, alors, vous permet de bénéficier davantage sur le ring en parlant à Vince McMahon avant un match. Donc ça, autant dire que c'est plutôt cool. Ça, il va falloir qu'on aille regarder ce que ça donne. Mais avant tout, avant tout cela, il va falloir aller voir Shane O'Mark. Donc, Daniel Bryan, mais Shane McMahon va être évidemment dans son bureau. Donc c'est pour nous préparer au Money in the Bank qui va arriver dans les semaines qui arrivent. Donc, salut à toi, comment ça va ? Pas trop mal Shane, tant mieux. Surtout après le mois de dingue que tu viens de passer. Il s'est bien terminé. Génial, dis-moi, je peux faire quelque chose pour toi ? Je veux participer donc au main match Money in the Bank, ce qui est plutôt normal. Waouh, dis donc, j'en apprends des choses. Tu es une figure importante ici à SmackDown, et je suis sincère. Mais je ne te sens pas prêt, alors continue de bosser et tu auras ta chance. On va mettre. D'accord, je comprends votre point de vue. Ton heure viendra très bientôt, il y a intérêt. Je suis content que vous pensiez à moi au moins. Absolument. Tu n'as pas envie d'entendre ce que je te dis. J'en suis conscient. Dire que tu n'es pas encore prêt n'est pas définitif. Il faut nuancer les choses. Tu y arriveras un jour, je le sais. Tu dois juste être patient et je te préviendrai quand le moment sera le bon. J'attendrai. Merci de ta compréhension. Oh, c'est normal. Donc, pourquoi il y a un chargement? Voilà, c'est tout. Je vois pas pourquoi il y a un fin de chargement après la discussion avec Shane O'Mac, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc on va voir, est-ce que à votre avis Vince McMahon va être là dans le bureau? Ah pas, non, directement comme ça à l'ancienne. Bah écoute, il paraît que ta discussion avec un c'est un temps de venir, mais les rumeurs vont vite ici, plus vite que tu ne le crois. Mais ne fais pas tes yeux de chien battu. J'ai une proposition à te faire. Élimine plusieurs gars qui ne doivent pas décrocher la mallette et je ferai en sorte que Shane te programme pour Money in the Bank. Tu peux me faire confiance, j'ai le bras long. Je dis banco. banco. Non, je sais pas. Trouver. Mais non ! Mais sûrement pas ! Mais on est allé. Non, mais vas-y, ça me. Oh putain. Ça me souhaite. Randy ! On était soi-disant. Oh mais non, mais attendez, c'est quoi ces conneries ? Mais on est ensemble! Mais pourquoi? Mais non! Vas-y, attendez. Vas-y. Ah, il est pas là en plus, il est censé être au fond du bureau. Ah, vas-y! Normalement, ici, il n'y a jamais personne. Mais non, mais on est ensemble. Le mois dernier, on était ensemble, on a super bien compris. Oh non, et tout ça pour aller au Money in the Bank. Oh, mais non, j'en avais chié à le faire ramener vers moi. Oh. Aïe, 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 aïe. Ça tourne mal. C'est moi qui vous le dis, ça tourne mal. Randy, s'il te plaît. J'aurais peut-être dû aller prendre... mince. J'aurais peut-être dû prendre Daniel Bryan, en fait. Juste comme ça, au cas où. Randy, viens voir papa. Bon, ouais, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. On devait faire la meilleure équipe de tous les temps et ça finit comme ça. Allez, prends la chaise. Pff, oula. Allez. Oh putain.
Allez, frappe-le! Frappe-le! Non. Frappe-le, je t'ai dit. Non, alors, dans l'autre sens, s'il te plaît, quand même. Hein, respecte-moi un minimum, hein, le gars. Hein. Variété des mouvements. Ouais, alors, je sais pas si c'est vraiment une variété de mouvements que je fais depuis tout à l'heure, mais à la limite, pourquoi pas. Oh non, 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 il me l'a prise! Ma chaise! Oula! Oh! Ouf! Oh là 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 là! Oh, c'est violent en fait, hein! Nous qui étions alliés, mais non, mais j'en avais chié à le faire ramener vers moi! Ah bah, tiens, sur sa musique en plus! C'est fait exprès! Oh shit! Elle reprend un peu d'énergie, voilà. J'utilise ça pour faire de l'énergie. Vous appuyez sur les flèches à chaque fois de la manette et au moins il récupère de l'énergie en attendant qu'il fasse ça. Tiens! Je te frapperai! Ah, oula, ouais! Oh, super kick! Ta jambe me... Mais non, mais ta jambe me fait chier! What? Voilà. C'est le BFT, alors il faut que tu sois couché, s'il te plaît, respecte-moi un minimum. Bam, coup de genou et corde à linge! Oh. Bon. Bah, vous venez de la voir, la rivalité avec Randy Orton qui va commencer, là? Juste pas très très longtemps. Juste comme ça, hein. Moi qui espérais qu'on pouvait essayer d'aller se décrocher les ceintures par équipe, par exemple, vous voyez le genre. Non, bah non, 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 tout de suite, il faut éliminer directement les autres. Qui veulent réparticiper au Money in the Bank. Tu entres par la grande porte, pas vrai? Ou t'as entendu? L'univers WWE et tu lui as mis un sacré raclé. Tu ne seras donc pas étonné de savoir que René voudrait en discuter avec toi pour que... Pourquoi tu irais pas lui sortir deux ou trois phrases toutes faites? Oh oui. René! René, René, viens voir papa! C'est bizarre de dire ça quand même, non? Ouais, je pense. Oh, la première semaine du mois de juin commence très très bien. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi Randy Orton, les gars? Pourquoi? Aïe, 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 ça promet. Parlons de ce qui s'est passé ce soir. Cette attaque était inattendue. Vous avez fait quelque chose. Qu'est-ce qui vous a poussé à en arriver là? Je fais ce qui est meilleur pour le business. Je fais ce qui est best for business. Quant à savoir si je parle de mes intérêts ou de ceux de la compagnie, c'est à vous de le déterminer. Je peux seulement vous dire que je cherche à voir certains événements se produire dans la WWE. La plupart du temps, je fais en sorte que mes actions s'alignent avec les intérêts de la compagnie. Mais parfois, j'ai un objectif très personnel quand je monte sur le ring. Au final, je suis là pour divertir et faire avancer les choses. Et voilà, vous savez tout. À vous, Cole. Merci, René. Pour m'avoir accordé 2 minutes de ton très, très cher temps. Voilà. Dean Ambrose, il s'est soigné. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi, mais on va se faire attaquer par Randy Orton la semaine prochaine. Voilà. Bon, juste comme ça, hein, à l'ancienne. Préparez-vous, les amis. C'est déjà la fin du duo, quoi. Allez, va chercher ma voiture, s'il te plaît, qu'on en finisse. Aïe, 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 aïe. Bon, moi, ça a été rapide. Mais j'espère qu'on pourra refaire une équipe, quand même. Bah, si je fais ça à chaque fois, je risque pas de me trouver des équipes, hein. Ouais, ça va être plutôt costaud. On va voir, on va voir. On va voir de toute façon comment se déroule notre carrière. Allez, semaine 2.
Bon, j'ai discuté avec ton producteur. Il t'a bouclé un match en handicap en 2 contre 1 contre John Cena. La machine s'emballe, on dirait. Tu rigoles, ce n'est que le début. Je t'avais bien dit que j'avais de l'influence ici. Élimine Cena et, comme je te l'ai promis, je te fais participer à Money in the Bank. Je n'oublie jamais mes amis. Le sentiment est réciproque, je m'en occupe. Ok, ouais, mais c'est un match handicap contre. Oula, attendez. Et attendez, est-ce que. Bon, on va aller voir si. Non, mais attends, faut aller voir quand même. Avant un match, il a dit. Alors, est-ce qu'il va être. Normalement, son bureau, c'est celui qui est tout au fond. Alors, là-bas. Alors, on va aller voir. On va parler en retournant vitesse 2 minutes pour voir un truc. Aïe, 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 Orton. Si tu veux avoir du succès dans ce métier, regarde-moi. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur la ligne comme en dehors. Viens me voir si tu veux des conseils. Merci. T'es pas rancunier, c'est bon? Mais il est pas là. Mais non! Mais qu'est-ce que tu me rends? Vince! Reviens là! Pourquoi tu me fais mal? Mais j'en sais rien, le chanteur de Maryse, là. Oh. Allez, on y va. Peut-être qu'il est dans le bureau de Shane chaque fois, hein, on sait jamais, hein. Vous savez, hein. Non, pas du tout. Bon, bah écoutez, pourquoi pas? Mais comment on peut aller parler à Vince s'il est pas là? Non, mais juste comme ça, hein, c'est une vraie question, hein, les gars. Hein. Alors attendez. Oula, ouais, calme-toi quand même, hein. Vous permettre de bénéficier davantage sur la ligne en parlant à Vince McMahon avant un match. Ouais. Alors est-ce qu'il faut que j'aille parler au producteur avant? Je sais pas du tout. C'est une pure découverte. Non. Voilà. C'est lui que je veux voir. Tu connais la chanson. Ce match est d'une importance capitale. Je ne connais que celle-là. Oui, je le sais. Excusez-moi. Tu m'as peut-être entendu, mais je ne suis pas certain que tu m'aies écouté. Je t'ai trouvé un partenaire de tac puissant. Non. Que dis-je influente pour le match de ce soir? Ça suffit un nouvel allié de confiance. C'est une bonne chose. Ça peut aussi dire que c'est lui qui tire les ficelles. Quoi qu'il en soit, je te conseille de ne pas foncer tête baissée. Tu joues avec le feu et tu pourrais tomber sur un jerrycan d'essence en chemin. Je ne t'en fais pas, mon regard est toujours aiguisé. Comme un couteau, j'ai pigé. Et au fait, amuse-toi bien. Ouais, et voilà un match qui devrait être intéressant. Mettez votre adversaire dans la zone corporelle rouge et remportez ce match. Donc, un allié. Alors, ça sera peut-être AJ Styles, hein, on va voir. On va voir, parce que là, c'est écran noir. Ouais, c'est ça, voilà. Contre. Et donc, c'est un match handicap 1 contre 2. Ok. Et ben on va s'occuper de lui, Edge. Ça promet, hein. Ça promet vraiment. Bon, ben on va voir ce que ça donne, hein. Ouais, ça bête du. Alors. Hop, le champion de la WWE, évidemment. Bon, allez, on y va. Alors. Oh l'autre, il me pousse. Oh, il me pousse. Oh non. Oh non. Oh le salaud. Il me pousse. Bah moi, tiens. Non mais oh. Qu'est-ce qu'il parle du Hall of Famer là? Wesh! Voilà! Qu'est-ce que tu fais? Tu pouvais pas le frapper directement où il était là? Bon, ok. Non, mais d'accord. Y'a pas de soucis. Voilà! Aïe! Vous avez aimé ce petit cri bien viril? Ouais! Tiens!
Allez, 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 allez. Ben voilà. Et on attaque tranquillement. Voilà. Et yaha! Ouh, boum. Hey, il tombe raide, hein. Ça, c'est la puissance. Non, je rigole, hein, attention, hein. Tiens. Tiens. Ok. Faut que je mette dans la zone corporelle rouge. Ah bah dis donc. C'est pas avec ça que ça, je vais arriver. Oh, quoique, si, hein. Le dos, il prend cher, hein. Allez, Jay. À toi. Oh non, non, je t'ai dit à Jay Styles. Pouh, le coup de genou. Allez. Oh mais t'es chiant. Dis donc. Oh non, non, non! Powerbomb! Non, tu m'auras pas! Non, tu m'auras pas! Tu m'auras pas, je t'ai dit! Nya! Oh, aïe, 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 aïe! C'est haut le ring, hein, je te rappelle! Aïe, trop tard! Non, non, c'est pas conseillé, Sina! Coucou Jojo là-bas! Ça va? Oh, aïe, aïe, aïe! C'est un handicap patch! Bah, t'inquiète pas! Ouh! Voilà! Allez! Nine! Mais dans le coup, il recommence. Parce que juste à les sorties. On va bien jouer. Bah, AJ. Bah, tu t'excites là sur sa jambe? Allez, remontez sur le ring. Non, d'accord. J'ai compris. Oh, aïe, aïe, aïe. Bien joué, allez, Jay. Hé, on fait tourner les serviettes. Non, c'est pas ça. Aussi, vas-y, 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 vas-y. Oh, bien joué. Eh, il est dans le jaune, hein. Ah, ouais. Oh, style clash. Il va pas pouvoir le faire. On lui fait une soumission. Et on fait tourner les serviettes. Je trouve que ça sonne bien. Je sais pas si vous, ça vous fait penser à la même chose, mais à chaque fois que tu tournes ton petit doigt comme ça, c'est ce que ça me fait penser. Oh, attention. Jouer. Je te gêne peut-être, Edge. Change de côté. Edge? Ouais, d'accord. Non, mais pourquoi pas? Allez, allez, allez. DDT! Et sa tête dans le ring. Il va faire son phénoménal forearm. Attention, en préparation. Oui! Attention à ce qui va. Ah, oh, dommage! Dommage, dommage, AJ! Aïe, mince, j'ai pas réussi. Elle frappait! Il était trop loin! Allez, AJ.
Oh, le public gueule Cena. Oh, le changement est réussi. Et le coup de bélier. D'accord. Et tiens. Et tiens. Oh non, 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 il esquive le salaud. Non, tu ne mourras pas. Ouh. Tu ne mourras pas, Cena. Il a essayé, hein. Ouh. Tiens, et tiens, et tiens. Et tiens, et tiens, et tiens. Et non, il a esquivé. Oh, attends, aïe 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 aïe. Ouh. Yeah. Non, trop tard. Trop tard. Ouh. Allez, s'il te plaît, lève-toi, mon vieux. Aïe, 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 aïe. C'est que justice, hein, je l'ai fait deux fois, moi. Non, tu ne mourras pas du tout. Et... Ah non, 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 non. Non, non, non. Il est vite, hein. Ouh, yaï, yaï. Non, 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 laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Aïe. J'ai des problèmes dans le bas du dos. Tu t'en fous? Oula, oula, oula. Trop tôt, trop tôt, trop tôt. Oh, calme-toi, Thanatos, calme-toi. Et voilà. Bouillard. Bon, cette fois, je... J'ai envie de te le faire! Voilà! Oh yes! Yes! Pourquoi tu le. Mais non! Mais non! Mais lève le pas! Aïe! Aïe aïe aïe! Aïe 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 aïe! Ouah! Boum! Je fais quand même 100 kilos et tu viens de me soulever comme ça! À l'ancienne! Y'a pas de soucis! Encore? Oh non, bah, hey, t'es fatigant, toi. Je vole. J'apprends à voler. Oui. Aïe, 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 aïe. Non, non. Et tu ne mourras pas du tout, du tout. Ou non, non. Mais qu'est-ce que... Mais non, mais non. Non. Putain, oui, 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 allez, 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 allez. Allez, attention, attention, attention. Finisher de coin. Allez. Un. Deux. What the fuck? Comment non? Comment ça trop tôt? Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, tu me fais chier, Cena. Tiens. Non, je peux pas... Ah oh, non, je voulais passer mon la main à mon collègue. Oh, trop tôt. Non, 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 Dili. Ya, ya. Oh, oh. Le You Can't See Me. Et il va. Ouh, mon front.
Oh, aïe. Oh non, oh non! Ah, ça c'est l'arbitre, Jay Styles! Ça c'est l'arbitre! Ça marche aussi, vous allez me dire. Vous allez me dire, ça marche aussi, hein. C'est pas interdit de frapper. Si, non, enfin, si. Allez, allez, NG, tu te tiens prêt? Je te l'envoie, NG! Ah non, mais tu me saoules! Je peux t'envoyer vers AJ Styles? Non? Non? D'accord. J'ai compris. Non, mais j'ai compris. C'est bon, on t'énerve pas. Aïe, 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 ça va faire mal. Aïe. Ah, aïe. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh si! Ok, j'ai compris. Bah allez, on se retrouve. Alors, donc, contre. Mais que d'où? Non mais oh! Mais l'autre, il s'est pris pour qui? Oh l'autre, eh! Oh l'autre, il croyait m'avoir comme ça dès le début. Eh? Tiens! Et on continue, hein. Et regarde, hop là! Non mais oh, l'autre y croyait. Et Sina? Et tiens, voilà. Oh l'autre, il me pousse. Oh, je vais appeler ma maman, moi, hein. Fais gaffe, hein. Elle est vénère en plus, hein. C'est violent ce que je dis là, hein. L'autre il veut me faire quoi là? Ouais, je préfère. Tiens! Allez, tiens, je te le laisse. Ouais, tu menaces le public? Et on fait tourner les serviettes. Non, c'est pas ça. Et on fait tourner les serviettes. Moi je trouve que si, hein, ça marche très bien. Allez, Jay. Ou attention! Aïe. Bon, attention, attention, là, ça va être violent. Eh oh, le bras de Jay Styles. Tu vas te calmer, Sina! Pas parce que t'es 16 fois champion du monde qu'il va falloir, hein, voilà. Ok, ouais, vas-y. Eh, bien joué! Oh, oh, bien joué, Edge Styles, allez! Mais on fait tourner les serviettes à chaque fois, de toute façon, hein. Oh, il passe la main. Oui. Oh. Et tiens. Et tiens. Et tiens. Et tiens. Et tiens. Et tiens. Et pourquoi tu le soulèves? Et que tu le refrappes. Mais tais-toi. Mais non. Mais non. Tiens! Ça va être trop long pour mon coup de genou! Oh non, c'est bon, ça passe. Oui. Et corde à linge! Voilà! Nice, good jobs! Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, d'accord.
Ouais, non, bah, parce que là, tu m'as fait peur 30 secondes quand même. Et on continue. Ouf. Bon, je crois que je vais péter l'arcade, chef. Faut un médecin. Un médecin, s'il vous plaît. Non, je rigole. Oh, attention, là, on va tout enchaîner. On va tout enchaîner. Si contre rien, on enchaîne tout et on peut gagner. Oh, oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu fais? Mais je peux pas. Mais d'où? Mais pourquoi je peux pas avoir mon finisher? Mais pourquoi? Oh! Voilà! Non mais s'il vous plaît, respectez-moi! Dans le coup, il risque. Oh, bah, oh my god, ouais! Il risque de se relever maintenant parce qu'il a eu un moment de répit! Et bah voilà! Aïe! Oh, yeah. Aïe! Oh, yeah. Allez, allez, Jay! Hé, hey, Jay! Hé! Hey. On lui fait un coup de bélier? Oh oui! Ouais, tu t'as moitié chié quand même, Jay, hein, fais gaffe, hein. Allez, est-ce qu'on peut faire tourner les serviettes? Non, pas encore. Je veux faire tourner les serviettes. Non, c'est pas comme ça. Et on fait tourner les serviettes. Non, on va se calmer. Oh, oh, il est en retour. Attention. Il va faire son enchaînement. Boum. Coup de bélier. Il se relève. Coup de bélier. Et attention. Double. Boum. You can see me. Die. Et attention. Oh. Non mais oh, je protège mon camarade. Sérieusement quoi. Allez Jay, tu peux le faire. Je compte sur toi. Oula, excuse-moi. Oula, je pense que j'étais un peu gêné. Mais mince. Oh, allez, tu peux faire un coup spécial, là. Oui, 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 nice. Prise nuque. Non, j'aurais peut-être enchaîné sur un Style Clash ou un Phénoménal forme. Merde, j'en chie à parler, vous allez me dire c'est de l'anglish. Allez, allez. Oh, oui, non, oh non, je croyais qu'il parlait pour. Oh non. Oh. Il va faire retirer sur son phénoménal forme. Oh, le coup d'avant-bras phénoménal. Allez, allez, allez. Enfin. Yes. Yes. Bah voilà. DDT. Oh, you can't see me. Ça, celui-là, je sais plus ce que c'est. Et... Oh bah non, il y a la tête d'un gars. Oh bah non. Bah non. Oh, je suis à 1100. Cool, ça c'est cool, c'est cool. Hey, Jay Styles. Merci Jojo, mais t'as été trop lente. Ou c'est moi qui ai été trop rapide à quitter. À voir. Évidemment. Bon. Et bah voilà. Le match est pas trop mal déroulé. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir Randy Orton qui veut se venger. Ça promet.
time to play. Time to play the game. Alors, on forme une sacrée équipe, mon pote. Je pourrais m'habituer à te voir plus souvent. Toi et moi ensemble. Même jour, même heure, la semaine prochaine. Passe un bon week-end, pas comme Sina. Tu m'étonnes, toi, tu m'étonnes. Tu as Vince, il faut que tu lui parles rapidement. Ouais. Le problème, c'est que pour aller voir Vince, hein, le truc, c'est... C'est avant les combats, donc bon, là on va quitter, on va voir, on verra voir, on va voir. On verra la semaine prochaine. Alors. Allez, on y va! En voiture, Simone! Donc là, normalement, c'est troisième semaine du mois de juin. Et est-ce qu'il va avoir une cinquième semaine avec celle du Money in the Bank? Money in the Bank, ça se pourrait bien. Ça se pourrait très très bien, fortement, beaucoup, possiblement à la folie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Semaine 3. Wouh, Naomi est là. Naya Tamina. J'allais dire Naya Jax, mais non, on n'est pas à Roux. Oh, et Jay Styles. Coucou! Un léger problème a fait surface. Il y a un nom, il a un nom, c'est pour eux. Dean Ambrose, c'est l'électron libre du match. On va mettre ça. Une défaite face à un, au grand que face à moi. C'est vrai, mais ça ira à l'encontre de notre relation, tu trouves pas? Mieux vaut que nous deux que tu lui donnes une bonne leçon. C'est ce que je ferai, mais n'oublie pas notre accord. Je dois te décrocher ce match, t'inquiète pas, je n'ai que ça en tête. Ok. Bon, on va voir si Vince McMahon est à son bureau. Allez. Personne bouffe, non, c'est bon. Oh, Kofi! Oh, Tyler Breeze. Mais y a personne, mais c'est, mais what? Mais c'est quoi ces conneries, en fait, de... J'ai pas tout pigé, là, ce niveau 3. Vous bénéficiez davantage sur la ligne en parlant à Vince avant un match. Bah, alors, est-ce que la... Ouais, je sais pas. On va voir ça, attendez. Non, parce que c'est... Ça chagrine, quand même, hein. Celui-là, ouais, t'as vu Vince? Bah non, il est pas là. Je peux pas l'inventer. Y'a personne là non plus. Bah dis donc. Parce que lui, c'est ce qu'il me dit. Va voir Vince au plus vite. Bah ouais, mais gros. Je veux bien, moi, mais je suis pas magicien encore. Hein. Je peux pas le faire apparaître. Attends, petit Sami Zayn, il est juste là. Exactement. Oh, tu as encore remis ça? Oui, effectivement. T'essaies même plus de te cacher. Nope. Bon. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, j'ai rien vu. Bon, bah... On va les casser la gueule. Ah, oh, je suis quand même avec Orton. Ouais, mais c'est une interruption d'avant-match qu'il faut réussir. Est-ce que Orton va être avec moi ou... Je vais être tout seul à faire cette interruption dans mon match. Il faut pas oublier que je l'ai tabassé pour pas qu'il participe au Money in the Bank. Hein. Faut se l'avouer quand même. Là, on est en train de faire un complot avec AJ Styles. Il est juste magistral. Allez. Oh. Attention. Ah ouais, il est avec moi. Ouh. Vas-y, je m'occupe de Sammy. Attention. Et Raya. Boum. Voilà. Là, on l'a bien fait. Nice. Bon, on a réussi. C'était vite fait. Bien fait. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire. L'autre a essayé d'intervenir pour lui sauver la vie, mais non, Orton lui a bloqué le passage, et puis ben moi j'ai fait mon finisher tranquille pépouze, et ça s'est bien passé. Allez, bon ben voilà. Merci Orton. Il a pas l'air d'être tranquille pour le moment. Voilà, l'électron libre est rentré dans le rang. Mais ils ont dit Dean Ambrose tout à l'heure. Il a été atteint, j'en crois, la tête de Dean. C'était Sami Zayn que j'ai tabassé, c'est pas Dean Ambrose. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, est-ce qu'on va vérifier quand même. Se trimballe pas dans les bureaux après les matchs. On sait jamais avec Vince McMahon. Et je pense que je suis pris dans un scénario, donc pour l'instant il doit pas être là. Je pense. Si c'est le cas, ça va être embêtant parce que dans le coup, les scénarios, va falloir que je finisse les missions principales en fait pour qu'il apparaisse. Ça va être stupide. Non, il est pas là. Hein. Bon, bah, on verra une autre fois. On vérifiera semaine après semaine et mois après mois jusqu'à ce que Vince apparaisse. C'est peut-être un peu trop là. Bon. Ah bah ça va être tranquille. Rusev Day. Oh, Nikki. Au pire, je te donne au moins des points de style pour ça. Ouais. Nikki. Qu'est-ce qui se passe avec Sina pour que tu parles juste comme ça sans qu'on te comprenne? Ok. Y'a pas de soucis, Nikki. T'inquiète pas, on t'aime quand même. Prêt à partir, yep. Bon, eh ben ça promet. Ouh. Alors, semaine 4. Oula, le jeu! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas aimé la semaine 4? Oula! T'as frisé, mon vieux! Oula, semaine 4, il a pas aimé. Oh, Lana! Lana the best! Lana number one! J'ai la dalle, je vais manger genre 20 citrouilles. What the fuck? 20 citrouilles? Attends, Lana! Redis-moi! What? Tu sais que t'as divorcé avec ton mari pour que tu me dises tu veux préférer travailler avec moi qu'avec lui? Ouais, faut pas oublier que Rousseff est son mari. Hein. Oh, Nikki, viens voir papa. T'as entendu la rumeur où elle dit que tu serais le prochain prodige? Moi, je pense que t'es ok, mais t'es pas... C'est pas comme si on avait jamais vu une superstar faire ce que tu fais. Par contre, personne ne fait ce que je fais, c'est moi le prodige. Mais Nikki, t'es le prodige côté féminin. Oh, s'il te plaît, ma belle. Ah là 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 là. Attendez. Tu hésites entre le ketchup et la moutarde. Là, je te vois hésiter, Zack Ryder. Alors, personnellement... Selon ce qu'il a mangé, je prendrai quand même le ketchup. Mais si c'est une bonne putain de viande rouge, tu prends de la moutarde. Par contre, vu ce qu'il y a dans ton plateau et ce qu'il y a l'air d'avoir en attente, genre, il n'y a plus rien à manger, donc tu t'en fous. Pose ce plateau et casse-toi. Non, c'est franchement. Même dans le distributeur, il y a quelque chose. Alors, c'est des boissons de la WWE. Je pense que là, t'as pas le choix, en fait. Il y a juste les couleurs qui changent, mais sinon, c'est les mêmes. Voilà, j'ai rien de plus à dire. La vie ici n'est pas toujours été douce. J'ai dû apprendre à la dure et travailler toujours pour
plus pour arriver là où je suis. J'essaie simplement de t'aider. Les Mechman ont un plan pour tout le monde. Il ne tient qu'à toi d'accomplir le tien. Yep. Continue à t'améliorer et peut-être qu'on pourra travailler ensemble. Ouais, ça serait cool. Ouais, toi, oui, non, attention, hein. Et personne. Non, mais ça me saoule, ça me saoule. Je démissionne, c'est bon. Je démissionne, j'en ai marre. J'ai combien de cris? 1100. On va pas améliorer de points pour l'instant, on va pas améliorer. Donc là, on est semaine 4. Semaine 4. René, j'ai pas envie de te parler, pour le moment, du moins. Allez. Oh là, non. Plechnikov. Ça veut rien dire, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, de toute façon. C'est raciste, là. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a pour moi cette semaine, mon vieux? Eh, j'ai encore rien pour toi. Bon, bah, ok. Je voulais pas aller la voir, mais... j'y vais. Voilà. Merci. Je me suis fait rebarrer par le producteur. Et c'est violent, en fait, hein. Là aussi, il y a personne. Mais ils travaillent jamais, les Mechman! Ça se passe comment? Oh là 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 là. Bon. René, qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous as préparé encore, René, comme discours? Vous avez pris plusieurs superstars en embuscade. On pourrait y voir des actes prémédités. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas à me justifier à qui que ce soit. Je ne dépends de personne. Je n'ai rien. On va mettre ça. Cette histoire n'a aucun intérêt, René. Attention, je ne dis pas que vous faites mal votre boulot. Ce serait mal poli. Merci, Thanatos. C'est juste qu'il n'y a rien à dire à ce sujet. Je suis une superstar dominante et des fois, j'ai besoin de faire de la place autour de moi pour respirer. Ça n'a rien de personnel. Si je tends les bras et que je cogne quelqu'un en pleine face, exprès par accident, disons que ça fait partie des risques du métier. Ouais, par accident! Merci de m'avoir accordé un moment. Disons que... Il faut que je respire de temps en temps, faut que je fasse de la place. Par contre, si de temps en temps je laisse tendre mes bras et que ça cogne quelqu'un, disons que c'est pas de ma faute, quoi. Oh bah oui. Oh bah tout le monde va te croire. Vas-y, je vais reprendre le risque d'aller voir Vince. Le gars qui est chiant, il persévère, hein, il est chiant, hein, le gars. Thanatos, il va se faire huer en commentaire un jour. Allez. Becky, dis-moi que t'as vu Vince. Vu ta tête, ça a pas l'air. Putain, mais il prend quoi? Mais en fait, c'est quoi ce problème? On débloque le truc de niveau 3. D'ailleurs, on monte petit à petit. Ouais, 282, on était à 250, c'est qu'on a regardé, ouais, cool. Mais, ouais, pourquoi? Bon, on verra. J'ai dit qu'on vérifierait chaque semaine, hein. Todd! Et lui, c'est pas un ours, hein. Excusez-moi. Alors, on avance. Il faudrait vraiment aller plus vite, par contre, hein, gros. Alors, nous t'attendons, mais ça ne va pas te... Oh, putain, comment ça? Mauvaise nouvelle, tes manigances de l'autre jour ont déclenché la fureur de plusieurs personnes. Elles ont fini par aller voir les responsables pour se plaindre de tes embuscades. Et les responsables les ont écoutés. T'as bien entendu, j'ai pas eu d'autre choix que de programmer un match à handicap. Merde. Très bien qu'ils montent ce match, mais je leur montrerai de quel bois je me chauffe. Il t'en faudra quelques stairs. Et bonne chance pour ce soir. Remporter cette interruption d'avant-match? Mais je croyais que j'avais un match handicap! Bon, je croyais quand même qu'on avait un... Alors déjà, on a deux problèmes. On doit faire une interruption d'avant-match alors qu'on est censé faire un match handicap. Là, je vois pas le match handicap où il est. Ça, c'est déjà d'un. De deux, on a Dean Ambrose qui est censé être à Raw. Et pourquoi il a SmackDown? Non, mais voilà, c'est quand même les deux principales questions que je me pose. J'ai quand même droit. Allez. Allez, Orton. Oh, le saut chassé. Oh,
Alors, est-ce que ça... Mais qu'est-ce que tu fais? Allez. Oui, oh oui, oh oui. Je te prends par la ceinture et je te pète les nuques. Ouais, elle est pas mal ta ceinture. Est-ce que je peux te frapper? Oh oui, je peux le frapper. Oh, attendez, attendez. Ouais, je suis champion intercontinental. Non, je... Oh là là. Bon bah voilà. C'est tout ce qu'il y avait. Mercerton, il n'avait pas l'air d'être rancunier, donc ça va. J'avais bien eu peur pour rien pour l'instant. Oh, on sait jamais, hein, attention, c'est Orton. Hein. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Donc écoutez, on va en profiter. Tant qu'il essaie pas de me botter le cul. Donc, reprenons là où nous étions. AJ! T'as vu cette victoire, moi seul contre Dean Ambrose et Cena? Alors déjà non! Et je... T'as assuré, mais tu n'as pas été suffisamment. Ils participent quand même au match Money in the Bank parce qu'ils ne sont pas blessés. Écoute, je suis donné, mais t'as merdé. S'ils participent au match, c'est comme si tu n'avais rien fait. Oui! Avec ou sans toi, je participerai à ce match, c'est vrai. Oui. Donc, soit tu restes à mes côtés, soit tu bouges. T'as quand même merdé, mec. Mais je crois que tu es ce que tu essayes de me dire. Je peux peut-être te donner une dernière chance en souvenir du bon vieux temps. Je te fais entrer dans ce match, mais t'as pas le droit à l'erreur. Ok, promets-moi que tu décroches cette mallette. C'était ce que j'étais venu chercher. Je te rappelle que c'est lui le champion en plus, hein. Ouais, c'est ça, c'est lui le champion de la WWE en plus. Hein. Écoutez. On y va! Tam, tam, tam. Alors. Personne. Bon, allez, au revoir. Pourquoi, par contre, j'entends plus les musiques du jeu? Aïe 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 aïe. Allez, on y va. C'est bizarre. C'est moi qui vous le dis. Alors. Ah, les musiques reviennent. C'est bon. Pay-per-view mensuel du mois de juin. Ok. Hop. Oh, c'est le match Money in the Bank. On va aller chercher cette mallette. C'est moi qui vous le dis. Oh, salut toi. T'as entendu une rumeur, elle dit que tu... Oui, bah tu l'as dit la dernière fois. Nikki. Nikki, s'il te plaît. Bon, est-ce que Vince est là, à votre avis? Je parierais que non, mais bon. Mais what the fuck? Ça sert à rien de gagner un truc de niveau 3 pour faire appel à Vince, il est jamais là, en fait. Pas dans la merde, quoi. Coucou, Nikki. Y a toujours pas de carrière solo pour les femmes, en fait. Hein. Je viens d'y penser, là, mais je crois que j'avais déjà fait la... La remarque sur WWE 2K17, hein, je sais plus si je l'avais fait ou pas, mais c'est vrai qu'ils pourraient en plus. Enfin, là, ils ont pas encore mis par exemple l'Absolution qui est arrivé récemment, enfin récemment il y a déjà quelques mois, le Riot Squad. Je pense que, j'espère, du moins pour les femmes, qu'ils auront une carrière. Mince, qu'ils auront une carrière pour le 2K19, j'espère pour elles. Parce que là, il y a de plus en plus de femmes. Il y a Ronda Rousey qui vient de venir aussi. Asuka était dans le roster principal. Donc, bon. Merde, quoi. Bon, oui, je sais, c'est mon moment. Et je vais... Et tous les démonter. Donc, normalement, il y a Cena.
Et re, donc on se retrouve pour donc le Money in the Bank, parce que le jeu, même quand tu gagnes, si tu remplis pas les objectifs, ils te font perdre en gros. En gros, ils acceptent pas, t'es obligé de remplir toutes les missions pour valider la truc quoi. Donc dans le coup, je me retrouve avec un match à refaire parce que j'avais pas fait de Oh My God. Et parce que j'avais pas du tout la compétence. Donc je viens d'en acheter une, heureusement, parce que j'avais de l'argent. Parce que sinon j'aurais dû abandonner. Et ça aurait été très très embêtant d'abandonner, voilà. Hein. Ça m'aurait pas plu. Bon, ça va, je peux esquiver aussi ou pas, non? Ah, oh, mais pas du tout en fait, hein. Non, je... Oh, la germaine souplesse qu'il vient de me faire, là. Tiens, ça te prendra. Donc là, faut que je fasse ça. Voilà. Ah, voilà. Après... Ça dérangerait quelqu'un si... Mais what? Je pouvais juste passer. Dans le coup, tu sais pas quelle est... Il y a trop de monde. Tiens. Moi, je veux juste... Ça, voilà. Préparer le terrain parce que le My God, moi, il se fait sur la table des commentateurs. What, 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 what? Cena! What, what, what? Les gars, les gars, les gars, les gars, vous êtes dans le passage. Moi, je passe la serpillière avec Cena. Why? C'est pas ce que je voulais juste le traîner au sol, moi. Aïe, aïe! Oh! Mais Roman. Oh. Non. Aïe. Aïe. Mais oui. Je suis pas un peu Timball, moi. Aïe. Comment ça peut être trop tôt alors qu'il y a même pas l'insigne qui est apparu, quoi, en fait, hein. Pourquoi tu le lèves? Je veux juste que tu le frappes, gros. Voilà. Comme ça, je veux que tu le frappes, quoi. Alors ça, Samy, c'est pas très très intelligent. Mais ils se mettent à deux contre moi. Aïe. Oh. Je fais l'étoile de mer. Laisse-moi en paix! Et personne va s'occuper de Samy. Non, personne va s'occuper de Samy. J'ai dit, personne va s'occuper de Samy. Mais Dean Ambrose, laisse-moi m'occuper des picots maintenant. Mais Cena, il en profite! Ah, oh, c'est un opportuniste, de toute façon. Bon, il y a un point positif. Je reprends mon énergie en attendant. Ah, mince, il m'a empêché de la continuer à la prendre. Ouais! Bah, il veut frapper tout le monde, Dean. What? Trop tôt alors que j'appuyais? Aïe! Eh, j'y arrive plus, là. Ah là, ça m'a tellement saoulé tout à l'heure que... Ouh, le match, là. Et personne ne veut s'occuper des picots. Non. D'accord. Ok. Pas de soucis.
Oh, les Atemi. J'arrive. J'arrive, Samy. Mais tiens, hey, tiens, hey, tiens, hey, tiens. Pourquoi tu le lèves? Oh, yo. Oh, ma tête. Mais non. Oh, yo. Oh, la, oh, la Témi. Bon, tu montes, tu descends, Samy, ou ça se passe comment? Samy, il est un peu schizophrène, en fait. Aïe! Comment ça, trop tôt? Ça peut pas être trop tôt si j'appuie sur le bouton! Oh! Oh là 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 là! Ah, nice! 79-84. Qu'est-ce que tu fais? Non. Non, 88, on est bon, on est bon, on est... Allez. Oh, what? Il m'a esquivé. Oh, 98. Allez, reprends ton énergie, c'est pour bientôt. Yes. Allez, c'est bon. Allez, personne ne doit me faire chier maintenant. Allez. On va faire une Tiger Bomb. Vous êtes prêts? Tiger Bomb! L'autre échelle, elle est où à votre avis? Oh bah de toute façon on va s'attaquer à Roman hein. Allez. Oula. Aïe. Allez. S'il te plaît. Oh non. Non. What l'échelle? Elle a bugué. Ça m'étonne pas. Oh non. Oh, ça va jouer à... Oh, ça va jouer à pas beaucoup. Si Epico se lève pas et que je me relève avant, c'est bon. Ah, bah j'ai parlé un peu trop vite. Je me prépare. Allez. Occupez-vous de Samy. Allez. Mais what? Epico! Allez. Oh non, Cena, fais pas chier. Oh non. Allez. Lève-toi.
end of the road for him, Byron. Well, if he can't get back to his feet, you're absolutely right. Flips the script on him there. Allez, allez, allez. Oui, 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 oui. 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 Oui, normalement, j'ai tout fait. J'ai fait toutes les quêtes. Oh, normalement, j'ai frappé quelqu'un avec l'échelle. J'ai fait mon oh my god. Oh, normalement, c'est bon. Oh, normalement, c'est bon. Oh. Oh, si... oh oui. Ça a l'air d'être bon. Wow. What the fuck? Ouf. Eh. Eh ben 10 minutes de combat quand même. Hein. 10 minutes de combat intensif. Ça s'est joué à une seconde près. Hein. Ça s'est joué vraiment... Parce que j'aurais pas réussi à contrer Epico. C'est lui qui m'aurait frappé. Qui m'aurait mis à terre. Et c'est lui qui aurait fait le dernier cran pour enlever ce mousqueton. Et avoir la mallette. Et j'aurais dû recommencer. Ouf. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Oh putain. Alors. Ouf. T'as réussi. Je savais que t'en étais capable. C'est génial. J'ai hâte de passer à l'étape suivante. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Ce sera spectaculaire. Tu vas voir. La semaine prochaine, on annoncera que tu me remets... la mallette en fanfare. Puis on te préparera comme mon bras droit. Ta carrière commence, mon gars. Oh là là là. Comment ça, par contre, tu me remets la mallette? Oh, attendez. On sait jamais, ça pue, mais on va. Déjà, on finit sur une victoire. Le money in the bank. Ouah. D'un coup, la pause que j'ai dû faire, c'était pour voir les Oh My God. Pourquoi ? Normalement, j'ai le Giant Swing qu'on fait au niveau des pieds. Mais là, pour X raisons, il ne marchait pas, donc il fallait que je débloque une compétence dans la liste des coups. Et heureusement que j'ai eu assez de fric pour le faire, sinon j'aurais dû abandonner. Là, j'aurais été deg. J'aurais été deg. Aïe, aïe, aïe. Fouf. Vous voyez pourquoi il faut économiser un peu d'argent et pas l'utiliser dès que t'as un minimum pour améliorer tes attributs. Parce que si t'as un petit pépin à un moment, bah fou. Bon, juillet. Bah non, ça sera pour la prochaine fois. Donc, sur ce, on se laisse pour rien du tout. Donc on se laisse à la fin du Money in the Bank. Donc un épisode qui a été très très compliqué. Voilà, donc je m'en excuse aussi pour cette pause qui a dû avoir à cause de ce petit problème. Et puis, ben moi, je pense que, voilà, je vais vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode. J'espère quand même que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à aimer, à commenter et à partager si cela vous a plu. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!